Bienvenue chez moi, ma nouvelle demeure, c'est un vlog présentation de mon habitat. J'espère que ça va vous, c'est pas ça du tout. C'est un cache-cache extrême. Les précédents cache-cache sur cette chaîne étaient extrêmes puisque nous avions un budget colossal pour nous cacher et constituer une cachette. Dans ce cache-cache, c'est différent puisque toutes les cachettes sont les mêmes. C'est-à-dire que nous allons nous cacher uniquement dans des boîtes en carton basique. Oui. Voilà, c'est bien, on est content du happening. Ça pue, voilà, ça fait meilleur. Super, bravo. C'est le combienième château sur la chaîne? Et puis bien loin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un château qu'à notre château. Hein. Ouais, alors ça, c'est vraiment, c'est le premier que c'est le mien. Félicitations. Mesdames et messieurs, dans ce château, qui je le rappelle est ma résidence principale, ça va, non, on a réservé l'espace aérien pour 17h. Nous avons rempli ce château et les extérieurs de ce château de 130 boîtes en carton. Nous devons uniquement nous cacher dans l'une de ces boîtes. Et ce qui est extrême, c'est donc pas du tout la cachette, mais la manière de trouver la personne. Par exemple, détruire les boîtes avec des tractopelles. Si on meurt, il y aura des preuves matérielles, oui, en termes de vidéos. Oh, mais de toute façon, au prud'homme, il y a juste à envoyer les liens des vidéos. Ok, ça va. Alors vous vous dites légitimement, 130 boîtes pour 4 connards, ça va être long. J'ai donc sollicité des TikTokers, des Instagrammeurs, des YouTube Shorters, ça ne se dit pas. J'espère que vous leur enverrez un maximum de force et de soutien, car tous leurs liens de leur réseau sont dans la description. Merci infiniment à eux, ils sont juste pas trop contents d'être là. Vous pouvez sortir, allez, c'est bon. Alors, il y a un lot à gagner, le dernier trouvé, et là, je sens que ça va aller. Gagne un iPhone 14. Aucune réaction sur mon visage. Il y a un cadeau, parce que moi, j'ai un Wiko, du coup. Ah, cool. Merci à tous d'être ici. Oui, bah évidemment. Je vois quelqu'un qui me regarde et qui me dit, c'est pas sponsor. Ben non. Évidemment que ça l'est. Il est bête, lui. Cette vidéo est évidemment sponsorisée. Et c'est une petite voix off qui s'immisce dans ce montage maintenant. Hop là. Cette vidéo est sponsorisée par World of Warships. Le fameux, l'immense, l'excellent, j'en fais trop. Bref, le jeu de combat naval gratuit. Et savez-vous qui joue à cache-cache dans les jeux de combat naval? Ce sont évidemment les sous-marins. J'ai essayé de faire un lien avec la vidéo cache-cache, vous avez compris? C'était pas simple, c'était un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Bon bref, les sous-marins font leur apparition dans World of Warships, c'est la nouvelle classe de navire du jeu. Allez l'essayer, tout simplement, premier lien dans la description. Et en plus, avec le code BOOM LES GENS, BOOM, ça vous donne des avantages in-game d'une valeur de 25€. Deux navires, celui-là et celui-là, 7 jours de compte premium, 200 doublons, 2,5 millions de crédits. Vous êtes juste riche en fait. Et quelques autres surprises. Ça ne s'arrête jamais, d'accord? Et ça, c'est valable pour tous les nouveaux joueurs, donc rentrez le code BOOM. Et en téléchargeant le jeu gratuitement, c'est comme si vous faisiez un don direct à cette chaîne YouTube qui elle aussi est gratos. Tout le monde est content. Enfin, je crois. Bah, merci Wargaming, merci World of Warships. Vous êtes beau. Et on passe à la vidéo. Merci beaucoup. C'est parti pour cache-cache extrême. Il y a une vous et j'avais une vache. J'avais réservé l'espace aérien. C'est donc parti, mesdames et messieurs, pour cache-cache extrême. Avec des boîtes en carton et des TikTok. Est-ce que tout le monde est chaud? Oui, ouais, ouais, ouais. Vraie bonne ambiance. Il y avait quand même deux ou trois qui étaient pas si contents d'être là. Non. Il a bien raison. Je vais faire 3, 2, 1, TikTok. Ah, il a pas compris. Bon bah 3, 2, 1, c'est maintenant. Regarde pas. Ah, je vais pas, ok. Let's go. Moi, je suis très tentée de faire un truc de gamin. Je cours actuellement pour trouver une cachette incroyable. Voilà, je vais faire un truc de gamin. Je vais mettre les drapeaux le plus possible sur les boîtes. Je sais pas si je vais à gauche ou à droite. Quand bien même, je ne suis pas dans la boîte. Voilà. Au revoir, Mélane. Ah, j'aurais pas dit de pas oublier d'enlever les chaussures. Ils vont me dégueulasser le salon. Non, mais la prochaine fois, on loue un lieu parce que faire ça chez moi, c'est galère. Ça reste mon intimité, quoi. Tu vois? On est parti les gars, 20 minutes pour se cacher. J'ai envie de me chercher un petit spot en extérieur. Je me dis franchement, pourquoi j'irais m'emmerder dans une boîte là? J'ai un petit doigt qui est cassé, du coup je peux pas courir. Mais remarquez, c'est une technique parce que si je me fais trouver en première, comme ça je peux cramer tout le monde. C'est le moment de trouver la cachette. Je vais aller à l'étage, on va essayer de trouver un endroit en hauteur. Vas-y, je vais monter direct à l'étage. On va directement aller à l'étage. Oh, les petites moulures là. Oh là là, c'est Cali. Yvan! J'ai élaboré un plan. Yvan et Thomas m'ont suivi allègrement. Peut-être une erreur, ouais. Ah, je suis épuisé. Trop tôt dans cette vidéo, là, le 300 mètres. Le jardin, il y a tellement de boîtes. Lui, il est tranquille, il fait un vlog, il a pris tout son temps, mais bon, c'est pas grave. Il y a un matelas gonflable et il y a une boîte dessus. Oh la dinguerie! Peut-être qu'ils vont croire que je suis sur le matelas gonflable si je lève le drapeau. Ok, les gars, stratégie numéro 1, je suis en train d'attacher le petit drapeau sur le matelas gonflable et on l'envoie. Il y a un carton sur l'eau, tu te fous de ma gueule? Oh, il m'intéresse bien. Let's go in the garden. Oh le batteur, il y a de l'eau qui est Jacques. Cette pièce ici, peut-être? Non. Ouais, y a pas trop de quoi faire ici. Je me suis enfermée dans une pièce. C'est quoi ce délire? Ouais, non, pas chaud. Pas chaud, pas chaud. Pas de carton. En vrai, là, y a une pièce à tout moment. Y a pas de carton. Très bien. Je vais aller mettre mon carton là-haut.
Oh, la bonne idée. Faut que j'aille chercher un carton. On va essayer de faire un espèce d'ensemble château avec des cartons qui communiquent les uns entre les autres. On va faire, il va faire. Ça ressemble à notre pièce, ça, non? Ouais, elle est bien, ouais, celle-ci. Ouais, celle-là, elle a l'air pas mal. Moi, je vais dans ce carton-là. Dans lequel? Celui avec des petits tiroirs, là. Alors, ça, c'est vraiment pas du carton. Ah, pardon. Je prends cette boîte, je vais retourner dans la pièce où j'étais. Oh non, 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 ça passe pas. Si, ça passe. T'inquiète pas. Oups. T'es en train de niquer mon petit drapeau que j'ai mis 1000 ans à mettre. Non. Vito, Vito, reviens. Dans ce carton là-bas, plus il y a écrit fragile, ça me correspond un peu. C'est un peu moi. Oh. Les amis, j'ai trouvé le carton de mes rêves. C'est celui-là, il est à l'extrémité du château. Je vais le déplacer. Et merde! Ah, là-bas, il y a un collègue qui s'installe dans sa box. Je me demande bien ce qui se passe à l'intérieur, en vrai. Je suis sûr que ça fait des grosses dingueries avec les cartons, des espèces de pyramides. J'entendais des complots avant, là. J'ai fait une entrée, Thomas. Oh, et pas si mal. Et alors, petite astuce de home staging. Oui. On peut se servir de la porte en carton pour faire un petit tapis d'entrée. Ah, welcome. J'ai vu tous les numéros de DNCO. Émission qui n'existe plus depuis 20 ans. Bon. Bon, ça va pas ressembler à un château fort, mais en même temps, j'avais pas vu la gueule des cartons. On dit quoi? Séjour, cuisine ouverte. Eh, franchement, les gars, il aura fallu attendre qu'on soit en compétition pour qu'on se serre enfin les coudes. Pour 10 millions, j'ai fait une affaire. Je pense, enfin je pense. Ça perdra pas de valeur. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Ma technique, c'est de cacher un carton dans un carton et de me cacher à l'intérieur des deux cartons. Mais je sais pas comment je vais faire. Ah, mais il y en a vraiment très très loin. Il y a trop de choix, j'arrive pas à prendre de décision dans ma vie. C'est toujours comme ça à chaque fois. C'est pour ça d'ailleurs que mon ex m'a quitté. C'est exactement ce qu'elle me disait à chaque fois. C'est ouais, de faire un choix, t'arrives pas et tout et... Oh, les petits ânes. C'est solide, ça. Ok. Oh, comment j'aurais galéré. Venez. Allez, viens. Venez. N'ayez pas peur. Oui, Francis. Oui. Oui, c'est Maxime. Bah, Maxime. Non, c'était juste pour vous faire penser à faire ramonner les cheminées de l'aile ouest. On l'a pas fait la saison dernière, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Je laisse de la place pour, oh, ta moustache. T'as le grand, le moustachu et le chauve, parce que j'ai mis ma casquette au-dessus de mes yeux. Ah, oh, c'est trop bien. Alors, tuto numéro 1, comment se mettre dans un carton, dans un château, en moins d'une minute sur TikTok. Non, plus d'une minute du coup. Ok, première étape, regardez le contenu du carton. Le carton est vide, il est agréable, il fait bon vivre. Ensuite, on le met comme ça. Non, Laurie, je t'explique, c'est mon terrain. Non, mais j'ai trouvé le mien déjà. Ah ouais, bonne boîte. Merci. J'hésite entre la boîte qui est là et la boîte encore plus loin là-bas. Bon, allez, autant jouer jusqu'au bout, je vais prendre la plus loin. Regardez-moi ça, les gars. Si je me fous dans l'entrée, c'est pas une dinguerie. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un en fait. Si je me mets dans l'entrée, je les fume tous, je pense. Y'a que moi qui bosse, mais ça me fait plaisir. C'est génial. YouTube, c'est ça aussi. C'est se boire un petit Red Bull sur les marches. Roméo, Roméo. Vous avez trouvé bête, hein, mais vous êtes pas caché là. Il a pas tort. On y travaille. On y travaille. Quand je vous chercherai, j'irai là. Non, 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 mais ça se trouve, c'est une. Mais finis pas forcément la phrase. Non, non, mais en fait, on va aller se cacher là-bas. Mais on est venu là pour faire abstraction de. Finis pas non plus. Bon, allez, ouais. À la revoyure. Ouais. Ouais, l'artiste. Maxime, oui. On se retrouve là. Faut que j'arrive à monter dedans là. Oh, j'ai une crampe. Ah, oh, mon doigt de pied. Ok, bon, je me suis fait virer par la prod parce que ma cachette c'était trop. Je vais prendre la boîte, je vais la mettre devant cette espèce de placard abandonné. J'ai une technique. C'est good? C'est bon. Oh, nickel, merci. Choix évident, mais en même temps pas évident. C'est dans la boîte. Pas sûr de cette vanne. Non, 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 non. Évidemment, ça va pas tenir. On va peut-être changer de cachette, ça va être plus simple. Petit bagot sur celle-là, hein. À tout à l'heure. Allez, je me mets là. Mec, c'est décidé. Je suis dans l'entrée, je m'en bats les couilles. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. En tout cas, ça fait un petit moment. Écoulez. Écoulez. Hey, j'ai confiance. J'ai peur. On se retrouve de l'autre côté. Messieurs, dames, bienvenue chez moi. J'entre dans le château. Je suis dans le hall. Je ne sais pas si vous le saviez, ils avaient la possibilité de mettre des petits drapeaux sur les caisses pour me brain. Théoriquement, bien sûr, quand il y a un drapeau, ça veut dire qu'il y a quelqu'un... C'est quoi cette vidéo? Ça serait vraiment nous buter. Imaginez le film d'horreur. Caca. Je suis un enfant. Je vais utiliser la roue. C'est une roue sous format numérique, car nous sommes connectés. Et je vais annoncer dans cette pièce que je vais découvrir... Oh là là, c'est très dangereux. Je vais découvrir la prochaine cachette en lançant un grappin géant. Ce sera peut-être un chouille... Oula! Un chouille douloureux! Mais quoi? Des objections, peut-être? Non. Je peux chier dessus.
Bah ça va être super. C'est une vraie encre de bateau. Et je vais la jeter. C'est pas si violent. Mixel nous a envoyé un message, il a dit oui les gars, vous voulez faire un cache-cache dans un château? On se dit oui. Et une fois qu'on est sur place, il nous dit ah, je vais vous dire, vous serez dans des cartons et vous allez vous faire défoncer. Ah. Il y a personne. Je sens que personne a eu les couilles de se cacher dans cette pièce en vrai. Si, moi. Les gars, on va faire une opération complète. J'ai très chaud en fait. Notre but, c'est d'aller jusqu'à là-bas. Là. Non, non, non. Oh, de l'air. Ça fait très chaud ici. Vous êtes combien? Tu sais que j'ai failli l'acheter. On aurait perdu un super youtubeur, franchement. J'adore ce que tu fais. Ah, bah merci, c'est gentil. La routine, messieurs dames. T'as pas trop peiné à me trouver? Je suis le premier. C'est le premier. Merde, faut qu'on passe par-dessus. Non, 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 non. Oh merde, merde, ma casquette. Non, 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 non. Oh non. J'ai surpaniqué. Jésus. Juste pour une casquette mais de merde. Mais tu vas la faire tomber en rentrant au carton. Je t'ai jamais vu défaire comme ça. C'est bon, mec? Oui. J'ai envie de t'aider à détruire tout ce qui nous entoure. Tu veux t'en faire une? Ah, je veux bien. Wouhou. Elle n'a pas crié. J'ai vraiment peur de faire très mal à quelqu'un, quoi. Mais c'est un peu le jeu aussi. Je deviens folle. C'est l'isolation, ça m'a... Ça m'a changé, ouais. Ouais, par où on va? Ah, mais il y a une pièce à côté. Oh. Mais mec, le nombre de boîtes, c'est interminable. Ah, le jardin m'a fait peur. Hein. Oh non. Tu veux tourner la roue? Ah, je veux bien. Tu vas nous dire... C'est très simple. Ouais, c'est très simple, vraiment. Il s'agit de drones. Drone de quoi? Bah, je vais lancer des drones à vive allure sur des boîtes. Ok. Ouais, je peux faire ça en extérieur, en vrai. Il y a un putain de lombric. Oh, on va fuir, je vous le dis, direct. J'ai pas peur. En fait, je préfère juste le laisser tranquille. J'ai l'impression de le déranger, là. Bonjour à toutes et à tous. Ici la voix. Le prochain découvrage s'effectuera grâce à un drone kamikaze que je vais cracher dans une des boîtes du jardin. Tenez-vous prêts. Le drone est muni de 2 kilos de TNT. Merci, au revoir. Let's go. Là, c'est la voix rassurée d'un type qui attend l'intérieur. Non, c'est faux. Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler entre toutes les boîtes juste pour les faire flipper un petit peu, tu vois. Je suis pas dans une boîte. Là, je nique tout le concept, je suis désolé, Maxime. J'ai extrêmement peur, je suis pas dans la boîte. Là, je veux vraiment qu'ils se chient dessus tous, là. Putain, le bruit flippant en plus, quoi. Il y a un bruit chelou. Oh my god, un drone kamikaze. C'est quoi son putain de problème? Attends, mais il y a vraiment une boîte qui est ouverte, là. Je vais pouvoir regarder dedans s'il y a quelque chose. Ah, mais ça, c'est une ruse, c'est une feinte. T'imagines, je vois quelqu'un là, c'est hilarant. Personne, non, si. Je vais juste passer par là histoire de bien faire flipper tout le monde. Il s'approche de moi, sa mère. Il s'approche de moi. Non, ma vie est finie. Ça y est, c'est maintenant. Oh, il est parti. Mais c'est quoi ce stress? J'ai pas eu peur. Vraiment, je... Attends, il était cool. Il était mis à fond. Tu vois ce que je veux? Ah là, c'est baisé. Il me voit forcément. Tu me vois pas, il est archi con. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça tente trop loup là? Non. Bah lui, il cherche clairement là. C'est un cadreur. C'est un cadreur. Oh mais merde. S'il m'a pas vu, c'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Il faut chercher mieux là. Un peu décevant là. Ouais. Bon, je vais découper une boîte, ça te dit? Allez. J'étais en train de changer de boîte au moment où il a lancé le drone. Parce que je venais de me faire attaquer par un lombric. Et j'ai eu très très peur. Non, j'ai pas eu peur. Je voulais le laisser tranquille. C'est quoi, moi? Il y a la boîte du coin là-bas où il y avait le cadreur. Je le sens bien. Oh bordel, offensive là. Il est vraiment tête baissée, c'est genre. J'en ai rien à foutre. Il arrive. Ah non! T'es touché ou pas? Non, juste à côté, dans le buisson. Il s'est écrasé sur quelqu'un. Tiens. Ah bah alors? C'est-à-dire qu'il va venir le récupérer là, je suis un peu baisé. Mais mec, ça a touché, elle a été déplacée. Mais non! Il y a un petit volcan, regarde, avec une banane. Ah ouais, on se fait troller là. Attends, on va se refaire un petit truc à la batte de baseball là, on va tout dégommer vite fait là. Je pense que je me suis dépêché pour remettre ma casquette. Si j'avais su que j'avais 45 minutes devant moi. Oh, ça fait une séquence, Tom. Voilà. Tournons la roue. Let's go. Après le drone, soufflerie. Oh vas-y, on soulève tout. Bah oui. Oui. What? Attends, il y a une tondeuse? Non, non, non. Et là, c'est dangereux en fait. C'est quoi ce... Regardez-le là. Il est en train de se casser le dos là. Attention, c'est pas bon pour ton dos, Maxime. Ça ne marche pas du tout. Merde. Théo qui dit coucou, ça va? Tout va bien? Il y a une tondeuse, gros, il y a une tondeuse. Oh non, mais c'est chiant ça. Je deviens fou. C'est pas sympa. Mec, je t'ai pris pour un cadreur, je t'ai vu au drone, j'ai fait le tour. Ah c'est Xylito, c'est vite trouvé. Mais j'ai foncé dans un endroit où tu n'étais pas protégé. Ah non. Ah mais j'aurais. Mais en termes de sécu, c'était pas fou. Ah je te le dis. Messieurs dames, Xylito sur l'outil internet. Sur l'outil TikTok notamment. Effectivement un peu plus précisément. Sur Instagram pour être plus précis, ouais. Ne trompons pas. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Poursuivons l'aventure. Tu appuies sur le petit bouton, Xylito. Le prochain moyen de cherchement. Le coup de pied. Efficace, voilà. Mais simple. Messieurs, je vous propose 3 boîtes chacun. On court partout et on donne des coups de pied. Je veux pas le savoir. Allons-y.
Oh, le troll, c'est marrant ça, un bras, c'est marrant. Oh putain, je défonce les cartons à côté. Je vais donner un coup de pied dans cette boîte si tu es dedans. Attention à toi. Ouh, coucou, il n'y a personne. C'est pour quand je trouverai quelqu'un. Je m'entraîne. Ah, moi j'en vois bien quelqu'un dans le fond. Hein. Allez, je tourne la roue, ce sera pour le prochain comme ça. Oh, oh, le mot bélier, c'est rigolo, c'est un bélier. C'est un bélier du SWAT. Ah oui, vraiment voilà. Officiel. Hein. C'est bien qu'on soit trois. C'est un peu lourd, c'est un peu lourd ce que je me disais, ouais. Voilà. Franchement, s'il y a personne, un peu déçu quand même. Je le sais bien qu'on perd notre temps, je le sais bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le jardin quand même. Hein. Franchement, je te le dis honnêtement, quand j'ai ouvert la porte là, j'ai fait une petite dépression. Il s'est vraiment fait des nouveaux potes. Hein. Non, mais ils sont meilleurs amis. Hein. Trop vénère. Eh, nous aussi on fait des TikTok, hein. Bah non. Merde. Ça se rapproche. Non. Non mais non mec, il y aurait mes mecs, ça serait trop nul de trouver quelqu'un comme ça. Ça serait trop une merde la personne dedans. Ce serait depuis une heure elle serait là et toi t'arrives que c'est la boîte tu fais. Ça serait vraiment nul. Wow, il parle. Attends, 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 c'est bizarre. À la roulette on a tiré l'ustensile, tu verras, c'est un animal mignon, assez velu. Non 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 non, par contre non, c'est pas non. Tu as un carton qui parle, vraiment je suis dans le déni. Mets-toi dans ton coin sud-ouest. C'est quoi le sud-ouest? Je connais pas. Mets-toi ici. De ce côté-là. Là là là. Ici là. Tu te mets là, tu fais pas chier. Oui. Pour contenu, un peu de sang, ça peut être. T'inquiète pas, on va. Mais je crois j'ai pas besoin de ça. Allez, à la une. Vous m'avez trouvé. Ah, non mais c'est bon. En fait, cet objet me fait vraiment peur. Tiens, regarde, t'as failli rester là toute la journée. Moi, je repartais. Ouais, c'est eux j'ai qui m'ont cru. Dit la boîte, au fond. Oh, super, bah merci. Elle est aussi désagréable, mais pas que. Ton blaze, il s'affiche sur l'écran, parce que je sais pas le prononcer. Mélane, on t'appelle Mélane, juste Mélane. Oui, Mélane. Parce que ton prénom est sûrement Mélanie, non? Mais c'est un diminutif. Bien vu. Bienvenue dans la team qui avait pas d'idée pour leur pseudo et qui ont mélangé un peu, Maxime. Ah oui, merci beaucoup. Enchanté. Merci bien. J'ai l'impression que tu t'es vraiment installé. Vous voulez que je vous fasse une petite visite? Avec plaisir. Ici, c'est là où je dors. Ok. Ici, c'est aussi l'endroit où je mange. Ici, là, petite toilette sympa. C'est le même endroit. Oui, non, mais c'est. Okay. Il fallait préciser, voilà. On continue la recherche. Et bien, allons-y. Et bien, finalement, ça avance. Bonjour à toutes et à tous. Ici, la voix. Trois personnes sont tombées au combat. L'un, grâce à un ustensile de paysagisme. L'autre, grâce à un bélier. Et l'autre, avec une encre de bateau qui a été jetée. Découvrez les autres manières d'être retrouvés d'ici peu. Au revoir. J'ai rien compris. Ah, alors, c'est très simple. On a des enceintes pour faire normalement, genre, animer des soirées avec plus de 500 personnes. On va en mettre une de chaque côté. Pas et mal. Tu choisiras le son que tu veux. Ok. Ou l'onomatopée. On va mettre les enceintes très près de la boîte. Très, très près. Oh, les gars, j'ai envie de faire pipi, putain. Je me pisse dessus, j'ai environ à 4 parce que là je commence à vouloir m'agiter et à casser ma planque. Moi j'ai pas peur. T'as pas peur? Il me fait pas peur. Tu me fais pas peur, Maxime. Ouais, t'as vraiment pas appuyé sur le bouton du Toki. T'as même pas crié fort, donc je peux même pas l'entendre. Enfin, vraiment, t'as fait une provoque, mais. Tu verras au montage. Voilà. Dans la V1, tu vas trembler, frérot. T'as mixé, mais j'entends. Je sais pas, j'entends quelqu'un. Hyper joli. Trouvé. Hyper sympa. Trouvé, coquinou. C'est nouveau ça? C'est vrai que c'est nouveau. C'est vrai qu'il y avait pas ouais, ça. Ouais, par contre, ça aurait été vraiment très fort. Ça aurait été très fort. On arrive. Je n'ai aucune idée de s'il y a quelqu'un ici, mais s'il y a quelqu'un. Sache que tout va bien se passer. Je parle de toi, hein. Attention, hein, qui n'est pas doux. S'il y a quelqu'un, ne t'inquiète pas, ça restera doux et sécurisé. Ça touille un peu là. On peut le stresser. Tu peux le coller, hein, comme ça fera les vibrations. Ok. Ah, c'était l'intro là. Quoi, c'est l'intro? C'est l'intro. Il y a jamais du West End, je crois. Ouais, mais une chanson, je suis sûr à fond à côté du carton. Comment ça s'appelle? Rihanna. C'est Rihanna. Beyoncé. Hors de ma vue. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais arrête. TikTok. Ça fait un carton chez les jeunes. Ils écoutent ce ça. Ce genre de phrase, là. T'es en train d'aller vers moi, là. Avec ce genre leur de Walkman, ils écoutent ça. Leur laser disque, là. Il reste. Ça a pas l'air de déranger tant que ça, finalement. Non, ça a pas l'air. Il a l'air de bien aimer. Amenez la coupe à la maison. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de devenir sourd, là. Il y a des bruits, je sais pas ce que c'est. C'est des sons de plus en plus aigus, merci pour l'idée. On est à 104 Hz pour ceux qui aiment les kiss. Oula, je vais avoir un acouphène là. Ça, c'est un coup à dégueuler ça. C'est horrible, t'es un monstre. Mais il sort pas. Non, mais c'est pas possible, y'a personne. Alors, il est très fort. Je reste aidé depuis longtemps. C'est lourd. Ah, quel boss. Ah, ça devient hardcore. Comment il fait? DJ dire total, gros. Non. Ah, mais attends, il est mort. Ouais, il est mort bien plus tôt que ce qu'on croit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dormait. Je suis désolé pour l'ultrason, c'était mon idée. Ah ouais, j'ai adoré, hein. J'ai passé un bon moment. Comment t'as fait pour rester là avec cette horreur? Je sais pas. Non, mais là, franchement, c'était t'es de l'attention. T'es bouché hein. Les oreilles? Non. J'ai adoré ce moment. J'étais persuadé qu'il y avait personne. J'ai ouvert, j'ai fait. Je suis un monstre. En fait, c'est à cause de toi. Oui, c'est. Ça, c'est les tortures à la CIA, ils sont pas aussi créatifs. Ouais, franchement. Là, il y a des types qui allaient craquer au refrain. J'allais sortir en mode, une caleçon sale. Et je me suis dit, non, je vais me retenir. Est-ce que vous êtes OK pour aller chercher à l'intérieur? Oh,
Bien sûr, let's go. On va, on va juste se détruire deux, trois petites boîtes au tractopelle avant. Je vais m'amuser. Tu veux le faire? Oui. Allez, tu l'as bien mérité. Hey, merci. Oh, c'est quoi ça? On a y une bête. Moi, je réponds pas. On sait jamais, ça se trouve, c'est une technique. Prout, prout, prout. Ça y est, je commence à m'emmerder. Mais ouh, ça va être incroyable. Je rappelle aux gens, ne faites pas ça à la maison, on est encadré par une équipe de professionnels, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants le dimanche qui se disent tiens, si on défonçait des boîtes avec des tractopelles. Wow, non, 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 il est juste beau gosse. Pardon, c'est... mais il est juste beau gosse en fait. Voilà, il m'a juste quel beau gosse. Voilà. T'as vu le beau gosse ou quoi? Voilà. Et tu roules sur les TikTokers, voilà. Ah, ça a fait scrooge. Hein. Vraiment, il n'y avait pas besoin d'un tractopelle pour faire ça. C'est vraiment à la main, c'était bon quoi. Bah finalement, ça a fait le taf. Hein. Plusieurs heures que ça dure. Pourquoi personne vient nous chercher? J'ai fait la roulette, c'est tombé sur katana. Oh, excellent. Qui est une arme de guerre japonaise, on rappelle, hein, qui sert à trancher des têtes. Ouais, c'est un poil dangereux quand même. C'est aiguisé, ouais. J'imaginais le scénar là quand même, c'est pas. Allez, messieurs. Chaud, ça va être incroyable. Je vais aller voir les autres gens qui sont cachés et je vais aller leur parler. Je sais où est Dejana. Je sais que t'es dans le petit carton. Tu m'entends? Je crois que tu veux pas me parler, mais on va bientôt monter. Ok. C'était pour te prévenir. Tu me donnes quoi pour pas que je te dénonce? C'est qui? C'est Mélane. Ah, mais t'as été trouvée? Non, t'as pas encore trouvé, mais, non, mais tu toi... me donnes combien pour pas que je te dénonce? Bah, tu veux combien? Fais-moi une proposition. Je me suis follow à toi sur TikTok un instant. Tu m'as follow? Ouais. Ok, bah ça me va. Merci. Un grand plaisir de faire affaire avec vous. En vrai, je trouve que tes TikToks sont drôles. C'est vrai? Ouais. Oh, bah je vais encore moins te dénoncer. Bah vraiment, merci. Hein. Je m'abonnerai à ta chaîne. C'est gentil, merci. Je crois que je me suis fait une copine. Il a fait ça avec moi au début. Attention en bas. Non, par contre, là j'ai envie de partir. Attention, ça pique. Mec, attends, tu foutage de gueule, c'est un peu dur, j'ai pas envie de. Mais non, sérieux? Je pense que c'était un crâne humain, mais. Eh, hey, gros, réagis. C'est qu'un jeu. C'est oh, qu'un j'ai jeu. J'ai tellement peur. Moi, je te jure, ça me terrifie. Il y a peut-être quelqu'un dans ma tête et quelqu'un qui a mal. C'est comme ça que j'ouvre tous mes colis à ma tête. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça peut aller. C'est le moment de se manifester et de se dire que c'est juste une vidéo YouTube. Les garçons, oui, vous me donnez combien pour pas que je vous dénonce? Bah, je crois que là, de toute façon, vous allez vous auto-dénoncer, là. Mais vous êtes tous les trois dans le même truc? Non. Dis ça, mais en attendant, qui c'est qui est dehors et qui c'est qui est dans les cartons, là, actuellement? Moi, en fait, on m'a Pookie. Donc, c'est pas la même chose. Sous le nez, l'iPhone 14. Sous le nez, ouais. Mais si vous gagnez en même temps, en fait, vous... Trois iPhones. Non, 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 c'est le lundi et le mardi, ça sera Étienne qui l'aura. Le... Je pense que vous êtes de façon assez évidente à trouver, donc je vais... C'est-à-dire? Comment c'est ça? Un petit peu évident en fait. Je voulais pas vous le dire les garçons pour pas vous vexer, mais je crois que c'est... Bon, on est vexé hein. De quoi? Mais on a pas mis de drapeau hein. Oui c'est vrai, bah attendez je vous le mets tout de suite. Ah merde. Non, on va être grillé sinon en fait. On va être... Je vous mets un petit drapeau juste là, je vous en mets deux. Il faut qu'on joue dans les règles de l'art. Tu sais quoi, je vais mettre plusieurs drapeaux, je reviens. Tu sais que là t'as fait un coup sans vérifier. Ouais ouais. T'as vraiment fait comme ça à l'instant. Ouais ouais ouais. Je crois que s'il y avait quelqu'un dans la pièce, voilà, il aurait compris là. Ça te rassure d'avoir été trouvé un peu plus tôt? Oui, avec la musique, c'est mieux la musique. Oh, ce que tu sais pas, c'est que j'ai des petits clins d'œil de la prod, genre il y a quelqu'un. Thomas, je veux pas faire comme si j'étais ta mère, mais t'as oublié ton pull. Ah, tu merde. L'oublieras pas. Ouais, ça marche. Temps. C'était un leurre, comme ça il va changer de route. Juste aussi, tu feras attention, t'as ta casquette qui est là. Ah merde, ok. Ah, j'avais je pas vu. Te dire. Voilà, voilà. Que j'ai froid à la tête. Ah oui, bah ça c'est un petit manque de capillarité, mais ça tu le savais. Je vois pas de quoi tu parles et tu deviens désagréable. Bon, bah je vais vous laisser, hein. Ce fut un plaisir. Ça c'est la négociation. Oh non, j'ai fait tomber mon talkie-walkie. Putain, mais tout le monde sait la cachette. Oh, c'est bon, je le fais. Y'a un pied, putain! Y'a un pied, juste un pied! Il est extrêmement réaliste par contre, hein! Il est incroyable! Quelle taille? Parce que j'en ai perdu un! C'est du 39! Ah, je fais du 41! Ah, mais c'est mon pied! Ah, bah non, t'as pas été découvert au katana! Oh, attends, il est moelleux! Il est horrible à toucher! Bah, j'adore! Ah, la vache! Ah oui! C'est une autre vidéo là! Ouais, on va sur un autre registre! C'est un enfer! Je voulais pas le préciser, mais. Vas-y, putain! Toi aussi? Allez! Ça fait maintenant 3 jours que j'attends que Maxime me trouve! Mais va me faire un massage! Je n'ai marre! Ça fait 3 heures qu'on est là, Thomas! Maxime, viens nous chercher! Qui veut faire la roue là un petit peu là? C'est parti. Il s'agit du détecteur de métaux. Pas mal. Cette pièce du coup une bof hein en vrai. Une pièce nulle à chier. Il y a là-bas quand même. Vas-y, on star shoot tout là. Ça commence à me casser les couilles. Voilà, pareil, celle-là, c'est de la merde, je pense qu'ils sont tous cachés en haut là. Cette pièce c'est sûr. Ils sont en train de tout défoncer. C'est quoi ce bruit? J'ai l'impression que ça arrive vers nous. Il veut faire des vidéos sans nous. Ouais voilà, c'est ça. Ils nous appellent pas, on fait pas le trajet. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre en tout cas. Non mais c'est-à-dire que le gars fait pas de feat avec deux youtubeurs pendant 3 ans et décide de faire un feat avec 12 TikTokers d'un coup là, comme ouais, ça là. Bah il sent qu'il devient admin. Ok, du coup on va aller à l'étage et je pense qu'on les trouvera parce qu'on a tout fait au rez-de-chaussée. Tiens regarde. Oh, un petit carton ici. Hop là. Je le fais par le-dessus. Ah, il y a quelqu'un, c'est tellement drôle. Si je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de me découper à quelqu'un, je crois. Est-ce que c'est... Mais attends, mais... Y'a rien? Y'a rien du tout. Alors, il est vraiment agrippé au plafond du... C'est Spider-Man le truc. Messieurs, dames, nous arrivons et nous allons vous détecter comme si vous étiez des métaux. Détecteur de métaux, pas sûr que t'aies besoin de détecteur de métaux pour nous.
C'est un détecteur de connards éventuellement. Oh, on dirait que la personne à l'intérieur. Non, c'est des agrafes, c'est des agrafes. Et non, y a personne. C'est bizarre. Ok, le prochain est intéressant. À tous ceux qui seraient cachés autour de la balustrade en rond, je vais faire un chèque. Et si vous sortez de votre cachette, le chèque est à vous. 10 euros. Tu peux monter un peu. 50. 100 euros. Ça parle de thunes, là. Ouais, je crois. Attendez, on va sortir. J'ai trop envie qu'on débarque les trois. Plus un ticket resto qui est offert par Laurie. Chèque livre. Chèque livre. Les chèques livres pour acheter des bouquins à France Loisirs. Des billets pour Disney. Des billets pour Disney qui sont payés par Mélan, pas par la prod d'Amixem. Et 1000 euros, c'est 1000 euros. Ouf, attendez. Alors je sors 10 fois là. C'est 1000 euros. Moi à votre place, je sortirais. je jette le chéquier alors. Personne. 3, 2, 1. Pas de chèque. C'était le chèque qui est tombé. Ah putain, il est prêt mais pas si prêt. Ouais, encore compter peut-être une demi-heure. Batte de baseball, oh Dieu. On n'a pas fini cette pièce. Faut s'assurer que cette pièce c'est bon. Qui va faire la batte de baseball? Ça a l'air incroyable ça. Positionne là sur le. Non, pas positionné, je pose la question comme ça. Ce sera toi. Ah bon? Oh, je suis choqué. C'est pas parce qu'il a demandé. Tu m'attendais pas. J'ai envie de pisser. Attends quoi? Ça veut dire un cri là. C'est un cri, ouais, non, juste quelqu'un qui a hurlé en fait. Mais ça fait deux fois, mais j'étais pas sûr tout à l'heure. C'était un j'en ai marre en fait. On est jaloux. Ouais, vas-y. Oh là là, ça cherche. Là, ça cherche. On n'est pas là! Oh putain! Vas-y! Oh quelle audace! Les trois seuls mecs qui sont payés n'ont plus rien à foutre! Ah là, faut venir voir ça! Là, c'est incroyable! Oh là, ils sont juste à côté! Oh les salauds! Oh les gars, on a un château là! Ces gens sont vraiment bien cachés! Je comprends pourquoi j'ai attendu 45 minutes pour. Tu peux arrêter de te faire d'autres amis, s'il te plaît? Amixem, il m'a dit qu'il voulait remplacer son équipe, il savait pas comment. Ouais. Non, moi j'ai compris, ça va! Ça va, les meilleurs amis là! Le vrai concept de cette vidéo est très clair, ça s'appelle on remplace le crew par des nouvelles têtes parce que ça commençait à faire long. Il y avait plus simple que de nous mettre dans des cartons hein, pour nous dire que ça allait plus. Ah, j'ai pas les couilles. Du coup, on va vous déloger à la batte de baseball, okay. Messieurs. Et ça va être maintenant, c'est nous. Allez, on va tous dans le living room, on va dans le living room, les gars. Ok, j'ai vu qu'ici, il y a quelqu'un. Non. Oh putain, mais quoi? Oh, il s'est relevé. Putain, le mec a créé un vrai fort. Heureusement que j'étais plus là. Les gars, ça communique votre truc. Bah oui, ça communique. C'est une autre vidéo. Mais non, mais les gars, est-ce qu'on peut avant tout détruire, regarder votre truc? C'est du génie ce qu'ils ont fait là. Bah oui. Allez-vous-en, on laisse place aux professionnels. Pour répondre à ta question de comment je vous ai trouvé, ouais. Il y a quand tu as crié à la fenêtre plusieurs fois en disant on est là. Il y a eu ça. Ça a été, ouais, ok. Ensuite, quand vous avez entendu crier une demi-heure avant, ah, ouais, oui, okay. On est là. J'avais envie de l'élever. D'habitude, il y a beaucoup de gens dans la vie qui se séparent, mais le divorce est rarement filmé par 17 beaucoup. C'est vrai, c'est mais vrai. Ce qui est en train d'arriver. Non, c'est une fin de collaboration que tout le monde comprendra très bien là. Ça restait joyeux. Je veux que tu tournes la roue pour moi. Bon d'accord, alors. C'est la batte. Attends, ça a changé. Ah pardon. Nous allons déloger Yvan grâce à un autre subterfuge. Il va falloir que tu sois fort. C'est quoi? C'est quoi? Non. C'est un truc qui fume. Non, non. Oh, oh, quelle horreur. Tellement pragmatique, mais oh, c'est l'horreur. Ça sent vraiment le prout, quoi. Genre. Ah oui, ça sent les os. Ça sent la merde. Oh. Oh, mais attends, il est dedans. Non, 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 non. Ça sent le pourri. Moi, je suis déjà allé chez Yvan, ça sent ça. Il est encore là. Il est encore là. Quel beau gosse. Et puis, je rentre en train, quoi. Donc, tout le wagon, ça va être compliqué, quoi. Ah, c'est juste là. Ah. Messieurs, dames, il reste deux personnes de cachet. Deux Jenna et Cléopâtre. Allons-y. Je tourne la roue. AirTag. Je rêve de l'utiliser depuis tout à l'heure. AirTag. La batte te va très bien, Loïc. Hein. Ça va très bien. Merci. J'ai la classe, je vais rester comme ça pour toute la séquence. Oh, t'arrêtes un peu. Ils sont en train de tout défoncer. Y'a personne. Je t'ai fait très mal. Je me suis niqué de ouf. Mais attends, mais je rêve que c'est en train de faire la discussion, là. 2,9 mètres. Quoi? C'est toi. Comment tu t'es fait trouver en fait? J'avais mon corps qui dépassait. Ah. On m'en fout là. Marche pas. Sa maison est en carton. Ouais, cacahuète. Je pense savoir moi. Ah ouais, vas-y, donne-moi tes pronoms, donne-moi tes pronoms. Bah attends, je vais te montrer. Hein. Ce truc là, ça a l'air d'être un stratagème. Ça va Cléopâtre? Oui, ouais, ça va. Allez, toi? T'es fort, oui. Ah putain, j'ai vraiment trouvé. Ils sont en train de chercher là dans la maison? Bah, je sais pas. À tout moment, elle a fait une cascade là pour. À tout moment, elle est suspendue. Suspendue dans les toilettes là? Dans la douche, je serais fou. Et y'a vraiment quelqu'un. Va dans la douche, bah en vrai. Très très joli plan. Je sais pas où ils sont, j'ai entendu bruit, je sais pas si c'est la prod ou si c'est. Oh putain, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. 3 mètres? Ça marche vraiment bien, hein. 7 mètres, 7 c'est passé de 6 mètres à 3 mètres. Mais c'est... Elle est peut-être là? Non. Non, ça sonne là. Mais attends, mec, c'était derrière la porte d'avant, là. C'est peut-être le. C'est sûr que c'est ça, non, c'est sûr qu'elle est là. Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit ce carton. Dans l'armoire. Moi, je pense que c'est l'autre carton. Quoi? Elle s'est accrochée. C'est possible.
Oh là là, mais c'est quoi? Non. C'est la corde. Elle est derrière une boîte, mais... Oh non. Eh, ça fait je sais pas combien de temps que je suis au bout. Pour ton information, on a commencé jeudi, on est samedi. Ah ouais, carrément. Elle était donc derrière la porte, effectivement, quoi, c'est... Je savais que j'allais te retrouver dans un endroit chelou, mais t'es sûr. À cause de ton manque d'activité sur TikTok, t'as perdu 2 millions d'abonnés pendant ce temps. Bah bravo, tu n'as pas gagné de téléphone portatif. Je suis désolé, je suis un peu tatillon, hein, mais elle a pas respecté les règles. C'est vrai, t'es pas... Après, il y avait une boîte devant. Il y avait une boîte devant, et surtout, elle a pas gagné d'iPhone. Sinon, c'est tout ce qui compte. Après, ma première plan, il y avait une boîte, mais c'était pas bon. Il reste plus qu'à trouver deux genas, quoi. Sur les dernières minutes de tenir, là, vraiment. Tout à l'heure, je vous ai dit à 10 sur 10, je me fais pipi dessus. Je pense que je suis à 9. J'espère que vous avez tous bien fait votre promo allègrement dans votre boîte, quoi. J'ai même pas fait. Bah vas-y, c'est le moment. Ah, bonjour. Plus rapide. Sur TikTok. Sur TikTok et PH. PH, pourquoi tu dis quoi? PH? J'ai quoi? C'est quoi PH là? Attends, personne prend en dessous. Retrouvez-moi. Il y a un yep. Bon, allez, c'est fini, on n'a pas le temps. La roulette, ouais. Rudy, let's go. Merci d'avoir fait le déplacement pour honnêtement pas tant de fun que ça, tu vas voir. S'il n'y a pas assez de caméra, tu le dis, tu peux en mettre plus. On va faire, c'est qu'on va tous voter pour une boîte et tu vas la déglinguer, je pense que ouais, c'est ça. Ouais, apparemment, ce serait le but de la vidéo. C'est complètement le but de la vidéo. Tu joues sur un club particulier? Oui, moi je joue du côté de Reims, okay. Dédicace aux affreux du coup. Grosse terre de rugby, Reims, hein, t'es bien connu. Il n'y a pas du tout de rugby dans cette région, voilà, c'était ça la blague. Nous allons peut-être perdre une youtubeuse aujourd'hui, elle s'appelait Dejna. Je pense qu'elle est hal. Pense Dejna, elle a refusé 1000 balles. Moi, tu me dis 100 euros, je sors. Non, mais ici, pour moi, il n'y a personne, c'est pas possible. Je pense qu'on peut essayer de bouger celui-là. Ok, on va faire celle-là. Si Dejna, tu es là, tu peux toujours annuler. Tu me la défonces à la rémoise. Tu nous fais un beau placard. Mec, t'es un ouf. J'ai qu'une seule question pour toi. Oui. Content d'être venu? Bah écoute, content d'avoir défoncé les boîtes. T'as rentabilisé, c'était incroyable. Allez, maintenant on fait la vraie boîte. À la une. À la deux. Tu prends ton élan? À la trois. Ah non. Quoi? Il y a une boîte dans une boîte. Quoi? Attends, si elle est là-dedans, c'est chaud. C'est mérité. Un peu, ouais. Un peu. 2 heures, je suis là. 2 jours, ça fait 2 jours. T'es un Kinder Surprise. T'étais super bien en fait. Mais ouais, t'as vu? J'ai hésité pour les 1000 balles. Hein. Putain, t'as refusé. Bah ouais, j'ai refusé. Je me suis dit, vas-y, je suis pas une mystère. Bah, tu remportes un iPhone 14. Bah, nickel. Mais non. Tu l'as pas eu à la F4, mais tu l'as eu au cache-cache d'Amixen. C'est que l'argent. Mais tu me la donnes pas, donne la main. Ouais, nickel. Donnez-lui tous un objet. Tiens. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo cache-cache extrême. Merci infiniment à tous les participants qui ont eu la gentillesse de venir 48 heures avant parce que cette vidéo a été préparée au dernier moment. Contrairement à toutes les vidéos de la chaîne où on anticipe un petit peu, j'avoue, celle-là c'était à l'arrache. Et on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez un deuxième épisode, manifestez-vous dans les commentaires. T'as été toi? T'as fait ta promo pour ton TikTok? C'est vrai que c'est le futur. Hein. Et moi je regarde plus la télé. Hein. Internet c'est la direction, je pense. Tu c'est la direction. Parles comme une vieille personne. Hein, tu parles comme une vieille personne. Pousse Kevin.